On voudrait savoir tes impressions sur l'event en général, sur le Ladies Event. Bah, le Ladies, c'était mon premier tournoi du coup. D'accord. Donc, très bonne première impression. C'était ton premier tournoi entre femmes. Tout premier. Baptême. Mais très bonne première impression, du coup, super ambiance en tout cas à ma table, même si j'ai pas du tout eu de jeu. Moi, j'adore le Ladies parce qu'on passe un bon moment entre filles. C'est cool, franchement, c'est un bel event et ouais, non, c'est sympa. Je suis arrivée dès le début. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de joueuses. D'accord. Plutôt contente du résultat. Voilà, de l'engouement qu'il y a pour les filles, pour le poker. Sinon, c'est un tournoi assez sympa. Puis l'ambiance aussi, c'est vraiment détente. Alors, je suis arrivée dans le poker après avoir joué beaucoup au backgammon. D'accord. On est tous passés dans le poker. Sur le ladies, je l'ai pas fait parce que je préfère jouer avec les hommes que jouer avec les femmes. D'accord. C'est un choix. Tu cernes plus facilement les hommes que les femmes. Plus facilement, j'ai plus une meilleure lecture sur les hommes que sur les femmes. Ladies Event, je suis plutôt satisfaite du nombre de participants. D'accord. Même s'il y a eu apparemment un participant. Une exception à la règle. Une exception à la règle, il en faut que j'ai pris plaisir à applaudir lorsqu'il a bust, hein, comme mes camarades. Au départ, je voulais pas vraiment le jouer parce qu'en fait, j'avais parié avec mes copines. D'accord. Il y aurait pas plus de 30 filles. Ok. Voilà. Et je leur ai dit si ça dépasse les 50, donc voilà. Donc là, vous avez perdu le pari. J'ai perdu mon pari. Non-stop poker action at home or on the go. Sign up today at clubwpt.com, where you'll never lose a dime playing poker, guaranteed.